Re les amis, hein, toujours avec ma flèche en feu. Comme vous pouvez voir. Vous voyez qu'il y a la flèche en feu, ça marche pas. Faut vraiment que je vienne avec des jarres. Alors, trouvons des jarres dans ce pays. C'est chiant, y a pas de jar. Y a pas de jar pour faire boum. On va aller là-bas. Qui se trouve à 150 mètres. Prenez le bateau. Ouais, sur l'île en face. Ok, il y a quelque chose, on va aller par là. Ouais, essayons de trouver au moins des jarres qui traînent quelque part. Ce serait bien. C'est un peu compliqué quand il n'y a pas de jarre pour faire un feu d'artifice. Ah, vous voyez que c'est pas votre bateau, hein, sinon il faudra rentrer à la nage, ce serait moins cool. Voilà. Vous voyez que la petite île ici, je l'ai finie. Ah, une petite lecture. Je vous laisse la lire. Plateforme en plateforme. Je vais aller voir dans la maison.
Bon là j'ai un peu loupé les plateformes. Faut voir s'il y a quelque chose d'intéressant que je pourrais prendre. Bon, une petite lecture. Mais toujours pas de jar. Ça, c'est un peu ennuyant. Va, Céline. Bon, on va aller la chercher quand même là-bas. Et on va filer. Nous allons filer par là. Ensuite, je finirai la vidéo pour retourner parler aux nains. Bon, eh, on va se déplacer plus vite. On va appeler ça monture. Et c'est parti. Je vais aller faire le petit point blanc. Qui veut se joindre à notre chasse? Qui a le goût de relever un défi, hein? Qui a pour appétit les moissons de l'aventure? Alors, Andrimnir, tu repars chasser le sanglier immortel? Oui. Une fois de plus, Erimnir s'est relevé et s'est enfui de mes cuisines. La chasse promet d'être acharnée. Tu ne te lasses jamais de traquer cette bête. Aucune chasse n'est plus exaltante. Et sa chair est sans égale. Viens! Allons chasser le sanglier! On faut courir après le cochon, vous voyez qu'il s'arrête pas.
Bon, et j'en ai marre de courir comme ça. On va appeler ça monture. Ça va plus vite. Bon, allez. Bon, je vais me faire ça pour rentrer, ça va aller plus vite. Et que j'ai encore un petit peu des zones à finir. Hein. Hop, on se TP et on va aller parler aux nains. Respecte les alentours. Je suis arrivé à la grotte et j'y vais. Allons parler aux nains. Ah ah, je sais reconnaître un pas de chat quand j'en entends un. Apprends. J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé. Quand cette corde impossible à briser sera-t-elle prête? Dès qu'elle acceptera d'être fabriquée. On ne peut précipiter ce type de magie. Elle a son propre rythme. Viens me voir dès qu'elle sera prête. Au fait, après notre discussion sur le Ougre, un cousin m'a raconté une histoire. Comme je ne crois pas aux coïncidences, je t'en fais cadeau. Que t'a-t-il dit? Il m'a dit que son beau-frère Borin avait bu de l'hydromel du Jotunheim, et que cela avait envoyé son esprit dans un bouc. L'esprit d'un nain dans le corps d'un bouc? Le plus étrange, c'est que sa sœur n'a rien remarqué. Javi! Ne me mêle pas à ça. La tour est presque terminée. Ne t'inquiète pas, il ne lui reste que quelques heures. C'est encore trop. Je sens les mâchoires d'un piège se refermer sur moi. Savoir qu'il y a un piège est la première étape pour l'éviter. Tu te moques que je doive épouser ce bâtisseur, n'est-ce pas? Oh, pff, quel choix! Tu es la reine d'Asgard, l'hôtesse de Folk. Moi j'ai pris le numéro 1, vous me direz ce que vous avez pris dans un commentaire. Je ne m'en moque absolument pas. Mais tu agis comme si je n'étais qu'un vulgaire bien à troquer. J'ai eu tort de t'utiliser ainsi. Je vais aller voir le bâtisseur et tirer de lui la vérité. De piètres excuses, mais elles suffiront pour l'instant.
Une fois le sort du bâtisseur réglé, tourne ta lance vers Loki. Chaque fois qu'il l'a pu, il nous a enfoncé un peu plus dans ce bourbier. Si Loki prépare quelque chose, je ferai en sorte qu'il soit châtié. Et tant pis pour le serment de sang. Bon. Et que là, ça sera pour le prochain chapitre. Hein. Les amis. Donc, si les vidéos vous ont plu, les amis, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à lâcher des commentaires. Ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Je vous dis donc à bientôt, les amis.